Choisis la vie. J'ai le droit de réussir. Oui, j'ai le droit de réussir. Même si cette réussite m'amène à être connue ou reconnue. Ce n'est pas ma faute. J'ai le droit de réussir dans les affaires. Si j'agis honnêtement et si cela concourt à l'épanouissement de mes dons, en même temps je contribue à la prospérité d'un certain nombre de personnes, par exemple en créant des emplois. J'ai le droit de réussir ma vie familiale. Ce n'est pas parce que mes parents ne formaient pas un couple uni que le bonheur conjugal m'est interdit. J'ai le droit d'être heureux, heureuse. Il n'y a pas de mérite à gâcher un bonheur qui pourrait être plus grand et plus fécond. Puis-je recevoir comme une grâce la quiétude qui est la mienne aujourd'hui, sans chercher aussitôt ce qui va me tomber sur la tête, parce que j'ai reçu ma famille la croyance que tout bonheur se paye. Ce n'est pas en gâchant mon bonheur ni en me complaisant dans mes ratages que je vais avancer. Les échecs ont un rôle. Ils permettent d'en tirer un enseignement pour mieux réussir demain. Il y a une façon positive de vivre sa vie, poussée par le désir d'avancer ou de progresser. Une vie réussie, c'est une vie où je prends des risques, non pas des risques inutiles, où je mets ma vie en danger de façon inconsidérée. Mais je cours le risque de me tromper, d'échouer, de n'être pas compris, d'être critiqué, d'être rejeté. François d'Assise n'a-t-il pas pris le risque de quitter la vie confortable que lui avait préparée son père pour l'aventure, la folie de Dieu ? L'abbé Pierre, ancien député, a-t-il raté sa vie en fendant les chiffonniers d'Emmaüs ? Et sœur Emmanuel, en vivant dans les bidonvilles du Caire ? Voilà des vies aventureuses, toutes de dons et tellement réussies. J'ai le droit de prendre des risques, d'aller de l'avant, de me tromper aussi. Les erreurs me sont nécessaires pour progresser. Mes parents m'ont peut-être démontré par toute leur vie que l'action était dangereuse ou qu'il valait mieux ne pas se montrer. Et j'ai appris à ne pas me mettre en avant. Comme je n'ai pas été valorisée, je manque de confiance en moi. Mais malgré tout ce que j'ai entendu dans ma famille, j'ai le droit de prendre ma place et j'ai ma place. Dans la société, dans le monde, dans ma famille, là où je suis, au travail. Même dans une micro-société? Même si c'est dans mon village, ma paroisse?
Et je n'ai pas besoin d'être parfait pour remplir ce rôle. Dieu a donné une place à chacun. Alors prenons un instant. Quelle est ma place dans la société, le monde, peut-être ma ville, mon village, ma famille, ma communauté de paroisse? En bref, en tout. As-tu trouvé ta place? Partout. Si tu ne la trouves pas, ne t'inquiète pas. Prends le temps devant Dieu et Dieu va te montrer ta place. Au cœur du monde, dans ta paroisse, dans ta famille, dans ton entreprise, dans ta ville ou ton village, où que tu sois. Car il veut que tu fleurisses là où tu es. Et surtout, reprends confiance en toi. Félicite-toi à chaque fois que tu réussis quelque chose. Un encouragement intérieur donne de la joie. Fais-toi confiance. Dieu t'a donné une place, tu l'as réellement et personne ne peut la prendre. Seulement toi.